En 1982, il ne restait en Alsace que deux couples de cigognes. Pour éviter que l'espèce ne disparaisse totalement, un homme, Jean-Claude Renaud, créa en 1976 un centre de reproduction à Unavir, près de Colmar. Depuis, des dizaines de couples ont été réintroduits dans la nature. On estime aujourd'hui à 150 le nombre de couples vivant dans les villages d'Alsace. Dans les années 60, un autre animal connaissait aussi de sérieuses difficultés, la loutre européenne. Chassée pour la valeur de sa fourrure, pour le plaisir de la chasse, et aussi parce qu'elle était considérée comme nuisible, victime enfin de la pollution des rivières, elle avait quasiment disparu d'Alsace en 1980. C'est la reine des rivières, la loutre. C'est un animal qui est fabuleux à voir évoluer dans l'eau, qui est gracieux. Et il fallait faire quelque chose, donc j'ai construit en 1991 le premier centre français de reproduction de loutres européennes. Jean-Claude Renaud installa cette luxueuse cité des loutres juste à côté de celle des cigognes. Pour lancer les activités de reproduction, il était hors de question de ponctionner des loutres dans la nature. Aussi, Jean-Claude choisit-il 7 animaux nés en captivité qui provenaient de centres de reproduction en Angleterre, en Allemagne, en Suisse ou en Italie. L'enjeu était de taille. En France, personne n'était encore parvenu à faire se reproduire en captivité ce petit carnivore des rivières, de la famille de la belette, de l'hermine et du blaireau. Le centre a été conçu en s'inspirant directement du mode de vie des loutres dans la nature. Les enclos, comme les points d'eau, sont spacieux et abritent un seul adulte ou plusieurs jeunes. Principale différence avec la vie sauvage, la nourriture. Ici, les loutres n'ont pas à pêcher plusieurs heures par nuit, elles sont nourries quotidiennement de viande et de poisson. Jean-Claude reconnaît facilement chaque individu. Les mâles adultes, qui peuvent atteindre 12 kilos, sont plus gros que les femelles. De plus, chaque animal est identifiable grâce à la forme des taches blanches qu'il porte au niveau de la moustache et sous le cou. L'expérience des cigognes avait démontré qu'avant de réintroduire une espèce dans la nature, il était primordial de la faire connaître et surtout aimer de la population. Aussi Jean-Claude Renaud a-t-il décidé d'ouvrir au public l'un des enclos de la cité des loutres. De plus, comme pour le parc des cigognes, les visites permettent de financer l'opération. Pattes palmées, corps fuselé et souple, fourrure lisse. La loutre est conçue pour la nage. Les loutres voient aussi bien dans l'eau que dans l'air. Encore faut-il que l'eau soit claire. De plus, dans la nature, les loutres sont plutôt nocturnes. Dans ce cas, ce sont leurs moustaches, ultra sensibles, qui leur permettent de repérer les obstacles ou d'attraper les proies. Les 6 autres enclos du centre ne sont accessibles qu'aux soigneurs et aux scientifiques. Les animaux qui les habitent sont destinés à constituer un cheptel de loutres reproductrices, les réintroductions dans la nature n'étant prévues que dans un deuxième temps. Le mâle rex a été mis dans le même enclos que celui de la femelle moustache. Depuis 2 jours, elle est en chaleur et accepte une cour assidue. À l'état sauvage, les loutres sont principalement solitaires. Chaque mâle adulte possède un territoire immense qui englobe ce plus petit de 3 ou 4 femelles. C'est uniquement l'odeur d'une femelle en chaleur qui incite le mâle à lui rendre visite. La plupart du temps, les 2 sexes s'évitent ou même se rejettent. Jusqu'à maintenant, les données relevées au centre confirment et même complètent celles plus difficiles effectuées en milieu naturel. Jean-Claude Renaud a pu remarquer qu'une femelle accepte plus facilement un mâle qu'elle connaît déjà. La cour est caractérisée par des jeux dans l'eau et sur la terre. Au fil des heures, ils sont de plus en plus souvent interrompus par des postures qui ressemblent à s'y méprendre à celles de l'accouplement. Thank you.
Dans la nature, le mâle peut séjourner plusieurs semaines avec sa compagne, même après les chaleurs, mais il est irrémédiablement chassé à l'approche de la mise bas. Si la femelle est fécondée, elle ne reviendra en chaleur qu'à la fin de sa période d'allaitement, qui dure environ 3 mois. Chez les loutres, les moments de tendresse ne sont que passagers. De longues journées d'observation ont permis à Jean-Claude de décrire les accouplements avec une grande précision. Il a même eu la chance d'en filmer un. Tous les accouplements observés au centre ont eu lieu dans l'eau. On dirait que la femelle n'est jamais vraiment consentante. Le mâle se fait plus agressif, saisit la femelle en la mordant à la nuque et l'enserre fortement au-dessus du bassin, avec ses pattes avant. L'étreinte dure entre 20 et 30 minutes. On a souvent l'impression que la femelle déploie des efforts considérables pour remonter à la surface et respirer. Au bout de 2 jours de cours assidus, et après un troisième accouplement, Moustache rejette violemment Rex qui se réfugie dans le terrier, la catiche, située à l'intérieur du bâtiment. En général, ce comportement de rejet temporaire du mâle par la femelle indique qu'une véritable copulation a eu lieu. Le système de catiche du centre permet de manipuler les loutres en évitant au maximum les contacts. Après avoir pesé le mâle, Jean-Claude décide de l'isoler de Moustache. Il faudra attendre 60 jours pour savoir si ces accouplements vont se concrétiser par des naissances. Non, cours, allez, cours, cours, allez. En mai 1993, Jean-Claude dut enlever Itac, né 3 semaines plus tôt, à sa mère Rovena, qui n'avait plus une goutte de lait. Itac, un petit mâle, fut donc élevé par la famille Renault. Certes, c'était un bébé attachant, mais pendant plusieurs semaines, il fallut supporter le rythme d'une tétée toutes les 2 heures, de jour comme de nuit. Oh bébé. Tiens, il bouge pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est bouché ou quoi ? À 5 semaines, Itac pesait 750 grammes et buvait un biberon de 30 millilitres toutes les 4 heures. À 2 mois, les nuits redevinrent normales. Comme le font les mères loutres avec leurs petits, Jean-Claude mit progressivement Itac en contact avec l'eau, ce qui, au moins au début, ne fut pas évident. Il dut ensuite l'habituer progressivement à jouer avec des poissons vivants, de façon à ce qu'elle apprenne à pêcher. Jean-Claude Renault considère que le caractère d'Itac
tient du chat et du chien, ses cousins carnivores domestiques. Elle a l'indépendance du chat et, comme le chien, elle répond plutôt bien à certains ordres qu'on lui donne. La neige et le froid ne l'impressionnent absolument pas. Non seulement les loutres sauvages n'hibernent pas, mais elles peuvent se reproduire à n'importe quelle saison, à l'inverse de la plupart des mammifères des régions tempérées. Itaque a maintenant 2 ans. Il ne sera pubère que vers 3 ans. De temps en temps, Jean-Claude l'emmène en forêt, au bord d'un ruisseau ou d'une petite rivière. Dès sa première sortie, Itaque s'est mis immédiatement à fureter à la recherche de poissons. Le régime alimentaire des loutres sauvages est essentiellement composé de poissons. Mais quand l'occasion se présente, ces carnivores opportunistes complètent volontiers leur menu avec des batraciens, des insectes, des crustacés, des oiseaux et même des petits mammifères. Ce petit ruisseau agité abriterait difficilement des loutres sauvages. Elles préfèrent les cours d'eau plus grands et plus calmes. Une population équilibrée de loutres compte environ 1 à 2 adultes pour 10 km de rivière. Une loutre adulte mange environ 1 kg de nourriture par jour. Contrairement aux idées reçues, elle ne concourt pas à faire diminuer le nombre de poissons car elle s'attaque en priorité aux animaux affaiblis, malades ou en surnombre et favorise ainsi l'équilibre écologique du milieu. Il restait à convaincre les pêcheurs. C'est chose faite. Des accords ont été conclus récemment avec la Fédération des pêcheurs d'Alsace, qui est favorable à la réintroduction de ces animaux dans la nature. Une grenouille constitue toujours un mets de choix. Voilà bientôt 2 mois que Moustache s'est accouplée avec Rex. Elle montre des signes indiscutables de grossesse. Elle se tient très souvent sur le dos, les pattes écartées. De plus, depuis quelques semaines, ses activités à l'extérieur de sa catiche se sont nettement ralenties. Jusqu'à présent, le centre a vu naître 10 loutrons. Mais cette fois-ci, Jean-Claude Renaud a décidé de filmer la mise bas. Il a construit une catiche bien particulière qui reconstitue le milieu intérieur naturel. Depuis 2 semaines, des observateurs se succèdent jour et nuit. Ils veulent être certains de ne pas manquer l'événement. 3 jours avant la mise bas, les mouvements des petits sont visibles à travers la paroi abdominale. Au fil des jours, Moustache semble respirer de plus en plus difficilement. Régulièrement, elle réaménage sa catiche, gratte le sol et y apporte de l'herbe fraîche.
Pendant les deux jours qui précèdent la mise bas, ces sorties sont rares et surtout très brèves. Les premières contractions apparaissent le matin vers 11 h, peu de temps après la perte des os. Elles sont de plus en plus violentes. Moustache, à l'évidence, n'arrive pas à trouver une position confortable. C'est vers 11 h 30 que le premier loutron apparaît, la tête la première. La mère l'aide à sortir avec sa gueule, ingère immédiatement le placenta et coupe le cordon avec ses dents. Elle mange ensuite toutes les enveloppes fœtales et lèche consciencieusement son petit. Tendrement, Moustache approche de ses tétines le nouveau-né de 100 grammes, qui est aveugle et sans dents. Le second loutron naît à 12h10. Il n'y en aura pas d'autres. En moyenne, les loutres mettent rarement au monde plus de 3 petits par portée. Pendant les deux jours qui suivront la naissance, Moustache ne sortira quasiment pas, préférant s'occuper de ses petits. La loutre figure aujourd'hui sur la liste des animaux à sauvegarder en priorité. En France, il en resterait moins d'un millier. Jean-Claude Renaud prépare activement la phase de réintroduction dans la nature. Des milieux propices existent en Alsace, mais la loutre ne supporte pas la moindre pollution. Les insecticides, drainés par les pluies, se retrouvent dans les végétaux aquatiques. Ils se concentrent chez les animaux invertébrés qui se nourrissent de végétaux. S'accumulent un peu plus chez les poissons qui dévorent les invertébrés et atteignent leur concentration maximale chez les loutres, grandes croqueuses de poissons. Ainsi, dans une rivière polluée, les loutres ont toutes les chances de devenir stériles ou même de mourir après quelque temps. En Alsace, de nombreuses analyses ont révélé des traces de pesticides dans les cours d'eau. Il faudra encore de nombreux efforts de purification avant de pouvoir y réintroduire des loutres. En attendant, des loutres du centre de Hunavir pourront partir vers d'autres lieux de réintroduction, en France ou en Europe. Les deux petits de Moustache, deux mâles, ont maintenant 10 jours. Ils pèsent 180 grammes et leurs yeux sont toujours fermés. Ils ne s'ouvriront qu'à un mois, mais les loutrons ne commenceront à voir qu'à 2 mois. Leur fourrure va muer 4 ou 5 fois jusqu'à l'âge de 6 mois. Régulièrement, Moustache lèche l'arrière-train de ses petits. Cela provoque immédiatement la défécation. Les excréments sont ensuite ingérés. La catiche reste ainsi toujours propre. Avec Itac, le jeune mâle élevé par Jean-Claude Renaud, une éponge humide faisait office de langue maternelle.
Au cours des premières semaines, les petits effectuent plus d'une douzaine de tétées par 24 heures. Deux semaines après la mise bas, Jean-Claude décide de stopper les surveillances nocturnes. Le trio vit au rythme des tétées quotidiennes et tout se passe pour le mieux. Les faces principales de chaque reproduction sont notées en détail. Cela permet d'améliorer constamment les conditions d'élevage. En 4 ans, le centre des loutres de Unavire a plus que doublé son effectif. Presque heure par heure, hein. Ouais. Je reprends mes notes et puis je vais faire à peu près la même chose en fait. La catiche de moustache est très animée. Ces petits ont 2 mois. Ils tentent régulièrement de sortir. Mais chez les loutres, les premières promenades sont plutôt prévues vers 2 mois et demi ou 3 mois. Ici, les conflits entre générations apparaissent très tôt. Nourriture à volonté, absence de prédation, les petits de moustache ont toutes les chances d'atteindre l'âge adulte. Mais dans la nature, seuls 2 nouveaux-nés sur 12 atteignent la maturité. De plus, les loutres se reproduisent lentement. Dès que le cheptel reproducteur du centre sera suffisant, de nombreuses loutres pourront être réintroduites en milieu naturel. Pourtant, elles ne parviendront à repeupler nos rivières que si nous mettons tout en œuvre pour que l'eau y soit pure.